Ce studio de diffusion n'a de classique que la musique. Sans animateur ou technicien en studio, Radio Classique diffuse de la musique 24 heures sur 24 grâce à un logiciel français nommé Dalet. Beethoven a une nouvelle adresse, 99,5 Radio Classique, Montréal. Je fais de la radio sans technicien, sans opérateur, rien, avec ma petite console, mon truc informatique. Écoutez, c'est mon train électrique. Pépin retombe en enfance. Que vous sachiez, est-ce que vous êtes les seuls au Québec à utiliser ce système-là pour l'instant? Les seuls, non, parce qu'il y a d'autres systèmes ailleurs au Québec, mais sûrement, en tout cas, les seuls, l'un des rares, il y en a peut-être un autre à la limite, là, mais l'un des rares à utiliser le système d'Alet de façon systématique. Donc, c'est-à-dire programmation le jour, la nuit, c'est tout le temps le système d'Alet qui fait la diffusion. Ça me donne une liberté. J'ai confiance à ça. Quand je suis bien tanné le soir, je m'en vais, mais je me couche le soir avec la radio allumée, puis je dis... Ça va péter, ça va péter, ça va péter, et ça pète pas. Toute la musique diffusée sur Radio Classique a d'abord été numérisée et transférée sur le réseau intranet de la station. En plus, cet après-midi, à 17h30, à la les interventions des animateurs, de même que la publicité, sont aussi numérisées et attendent leur tour de diffusion sur les disques durs. Ouais, on en a même 5 pour l'instant, 5 disques rigides de 9 gigaoctets. Ça nous permet d'enregistrer en tout et partout 315 heures donc de musique, de messages publicitaires, de voix. Une fois tout le contenu numérisé, il faut maintenant bâtir sa programmation, une étape grandement simplifiée grâce au système d'Alet. Ben, c'est un principe, je ne sais pas comment traduire en français, ça s'appelle le click and drag. Alors, j'ai une sorte de petit répertoire de tout ce qui est diffusable. J'ai, après ça, un programme qui affiche à l'écran une heure à faire. Mettons, je ne sais pas, la petite musique de nuit de Mozart, c'est entraînant, c'est beau. Alors, je vais dans Symphonie, je vais à Mozart, je trouve la petite musique de nuit, je clique sur le premier mouvement, je le traîne à son endroit, je fais ça pour chaque mouvement. Le temps est automatiquement compilé. La banque de données du système inclut aussi les dates de diffusion d'une œuvre, ce qui permet d'éviter de la reprogrammer trop souvent. Le système facilite également la tâche quand vient le temps de compiler les statistiques de diffusion afin de rencontrer les normes du CRTC. Si j'ai bien compris ma leçon, si je veux arrêter le pilote automatique, je clique. Et ça se concrétise, ce but-là? Est-ce que vous êtes souvent obligé d'intervenir? honnêtement, oui, il fallait intervenir plusieurs fois, mais ça roule très bien. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là, bon, on est en onde depuis le mois de juin dernier, jusqu'à présent, les grosses gaffes étaient des gaffes dues à des interventions humaines. Alors, touchons du bois, jusqu'à présent, ça roule bien. Le commensal, exceptionnel, naturellement. Bonne main d'applaudissement pour l'ordinateur. Yeah! Jean-Pierre Coallier a de quoi se réjouir. Son système d'automatisation requiert peu de personnel. Radio Classique peut donc diffuser à moindre coût que ses deux autres stations. La base, c'est disons de 8 à 10 personnes de base. Il y a un tout petit peu de personnel surnuméraire, mais c'est quand même infime. Alors qu'une station comme Ciel va vous demander entre 55 et 60 personnes pour faire fonctionner la station. C'est beaucoup de monde. Le système utilisé à Radio Classique coûte une centaine de milliers de dollars, un investissement non seulement déjà rentable, mais essentiel pour une station diffusant uniquement du classique et dont les revenus publicitaires ne sont pas imposants. Certains diront tout de même qu'une radio au studio vide est une radio sans âme. Au contraire, je pense que les auditeurs sont entre meilleures mains en écoutant le concerto numéro 5 de Beethoven, qu'en écoutant Jean-Pierre Coallier dire des enrées. Si vous aviez à choisir une pièce musicale qui décrirait votre rapport harmonieux avec la nouvelle technologie, qu'est-ce que ça serait? Alléluia de Handel.